Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour le custom test de la Devo Emerald Storm, la nouvelle voiture sur le jeu donc qui est disponible depuis aujourd'hui. Si on arrivait platine au summit de la semaine dernière, donc une voiture qui ressemble fortement à la Magma esthétiquement, mis à part sur le choix des couleurs qui était sympathiquement différent. Franchement, j'aime bien ce style. C'est vrai que la Magma est très stylée en orange et blanc, mais j'aime beaucoup le vert et gris comme ça. Je trouve qu'elle a vraiment un style assez wow et que vraiment on a l'impression d'une voiture assez différente esthétiquement, alors que non. Donc du coup, je viens juste de la débloquer. Je suis arrivé 1000 tout pile en plus, magnifique. Et donc je viens de lui mettre un petit réglage pro et les performances 320. Donc on va aller voir juste là. On va voir du coup après niveau livré ou quoi ce qu'on peut lui mettre, voir si des gens ont déjà fait des petits trucs sympas. Et puis évidemment après le principal, ce que les gens veulent voir, le test. Et donc ça on va se la tester sur Hollywood, sur Bigland, etc. pour voir vraiment comment elle se comporte. Donc déjà on va la comparer aux deux autres Bugatti Devo, histoire de voir un petit peu niveau stats, même si les stats c'est pas forcément hyper représentatif, mais quand même d'avoir une petite idée de comment est la voiture par rapport aux autres. Donc du coup, si on compare déjà la Vmax et la puissance, donc la Devo standard est à 455 km/h et 1638 chevaux, la Devo Storm est donc à 451 700 chevaux, donc plus de chevaux comme la Magma, et la Magma donc voilà à 1700 chevaux aussi normalement, voilà, fiche-toi, et aussi 451. Ok, bon, alors là-dessus déjà c'est la même chose. Donc on a un 0 à 100 en 2 secondes 37, 400 mètres départ arrêté en 8,97, G latéraux 1,57, et le freinage de 100 km/h à 0 en 13,66 mètres. Ok, ça me paraît pas trop mal tout ça. J'ai mis exactement le même réglage hein, sur les deux. Peut-être que voilà, il n'y aura pas besoin du même réglage et qu'il faudra changer, mais pour l'instant c'est la même chose. Et de 37 c'est la même chose, hein. Effectivement. Effectivement, c'est la même chose, à part pour le freinage qui est un peu meilleur pour la Emerald. Et encore, c'est pas forcément énorme non plus. Mais voilà, vous voyez que c'est la même chose quasiment. Donc, à voir comment se comporte donc la voiture. Donc, on va passer au peu à la customisation, même si je suppose que comme d'hab, on pourra rien customiser. Voilà, pas de peinture, pas de pièce esthétique. Donc, vous pouvez changer quand même la peinture de ce genre de modèle en avec les livrets tout simplement. Donc là, Emerald, pas mal, pas mal. Tout noir comme ça. Donc là il y a quelqu'un qui a fait un petit peu le style Magma du coup. Elle va bien aussi honnêtement avec le style Magma en étant blanche comme ça. Je trouve que ça lui va pas trop mal. Et puis on a beaucoup de trucs Emerald là du coup. Ouais. On a pas mal de petites choses. Les livrées sont plutôt pas trop mal pour la plupart. Donc plutôt cool. Il y en a quand même qui se sont vite fait dépêcher. Bon, à mon avis, ils l'ont fait sur la Magma et puis ils l'ont retranscrit ici pour que ce soit déjà disponible. Donc du coup, niveau vanité, je pense pas que j'ai quelque chose non qui va lui aller en termes de pneus. On va mettre du coup une petite fumée verte. Ah, j'attends, j'ai peut-être la fumée Storm verte, voilà, qui ira mieux. Alors par contre, j'ai pas de nitro 100% vert, donc je vais mettre la nitro jet vert quand même. J'ai pas de néon vert non plus, des vrais néons verts, donc niveau néon... Niveau néon, ouais, je vais rien mettre niveau néon parce que j'ai pas pris les néons verts. Pas de vide teinté, histoire qu'on voit quand même bien l'intérieur. Petit klaxon, allez, klaxon sirène moderne. Et puis donc on peut mettre les gyrophares si on veut aussi, comme toutes les Bugatti. Mais voilà, on va pas le faire non plus. Donc du coup c'est parti, on va se la tester sur Hollywood comme ça pour voir déjà en premier instant avec ce réglage là ce que ça donne. Donc du coup c'est parti, je vous montre un petit peu la vue cockpit, même si du coup bon on le verra un petit peu plus en détail après la course, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à la montrer, mais bon, la même vue cockpit qu'une Devo ou une Devo Magma, sauf que là l'intérieur a été encore changé de couleur et mis en full vert, donc c'est pas trop mal. C'est vrai qu'en photo je trouvais pas spécialement la voiture jolie, mais quand elle était en exposition du coup arrivée la semaine dernière, c'est vrai que je la trouvais vraiment jolie du coup. C'est comme la Magma, hein. Sur les photos du Summit elle paraissait dégueulasse quand elle est arrivée. Oula,
Je suis un peu rouillé moi. Attendez, je vais recommencer. Mais ouais, c'est comme la Magma quoi. C'est pareil. Les deux voitures finalement sont stylées alors qu'en photo je les trouvais dégueulasses sur la truc du Summit. Mais voilà, elles sont en vrai très stylées évidemment. Et sont quand même bien badass. Et c'est vrai que le changement de couleur est quand même assez étrange parce que t'as vraiment l'impression d'avoir une autre voiture en termes de coloris et tout, enfin de même de kit carrosserie, tu pourrais t'as la presque l'impression qu'elle est différente alors que c'est exactement les mêmes caisses. Hein. Bon, le début est pas foufou, on a fait un peu de la merde, mais en tout cas je sens que la voiture tourne bien de ouf. Elle a peut-être un peu plus tendance à vouloir déraper que la Magma avec le même réglage. Donc peut-être ouais modifier ça, mais. Alors évidemment, on se fera un battle Magma vs Emerald Storm vs Bugatti la voiture noire afin de voir. Oula, je suis un peu trop à droite. Afin de voir quelle est la meilleure voiture, mais ouais, elle est pas mal la Emerald là. J'ai l'impression qu'elle a une très 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 grosse accélération. Alors j'ai un peu fail aussi là au niveau du saut, hein. J'étais trop à droite donc j'ai dû freiner comme un porc. Oh oui, ça tourne de ouf. J'ai mal géré le virage, mais ça tourne de ouf, hein. Ah franchement, elle a une très très grosse accé, une très bonne maniabilité. Elle a peut-être tendance à ouais, un peu plus partir du cul, mais ça voilà, ça se changera en virage, enfin en virage, en réglage plutôt. Le chrono va pas forcément être dingue là qu'on va faire parce que voilà, on s'est un petit peu foiré. Mais franchement, elle m'a l'air pas mal du tout. Elle m'a l'air pas mal du tout. Après, je réessayerai, je pense, entre le temps. Où la vidéo sort et le temps du montage, enfin entre là et le montage quoi, je réessayerai je pense juste après la vidéo quelques petites choses et je vous mettrai s'il faut un screen du chrono que j'ai fait. Mais ah oh ouais, elle tourne de ouf, hein. Elle tourne de ouf, je pense qu'elle est mieux que la Magma clairement en termes de maniabilité. À mon avis, elle est beaucoup mieux que la Magma parce que ouais, je sens que ça tourne mais vraiment du feu de Dieu. Donc là on fait un peu en dessous de 15, donc ouais c'est quand même pas mal en dessous de 15, mais on a fait de la merde, hein. Globalement on a vraiment fait de la merde, donc ouais je pense que en termes d'hypercar elle va défoncer la Magma. Il y a moyen, il y a moyen, je dis bien je pense, hein. Attention qu'on regarde bien, là on a juste testé la maniabilité, mais en termes de maniabilité je sens quand même que c'est plus direct, qu'elle tourne plus d'un coup, qu'elle est plus réactive qu'une Magma. Après, elle est peut-être un peu moins stable qu'une Magma, justement, avec le même réglage, je dis bien, c'est pour ça. Je sais que là, il y a déjà quelqu'un qui m'a envoyé un réglage, donc j'ai pas encore testé, mais voilà, je testerai tout ça après, parce que c'est vrai qu'en vidéo, tester plein de réglages et tout ça, un petit peu long. Mais déjà là, dans cette configuration-là, elle fait très 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 bien le taf, donc franchement, on va voir là sur Bigland comment elle se débrouille. Mais c'est à mon avis une excellente voiture. Donc en tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche, bah justement pour ne pas louper le battle donc entre les trois voitures, entre les trois Bugatti que j'ai cité avant, donc qui arrivera peut-être demain, je dis bien peut-être, je vais essayer de faire ça pour demain. Mais bon, après vu que c'est quand même pas mal de montage un battle, c'est pas dit que j'y arrive. Mais voilà, normalement peut-être le battle demain. En tout cas, dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez eu ou pas la voiture pour bah, voir. Et puis, bah, si vous l'avez eu et que si vous l'avez déjà testé, me dire ce que vous pensez de la voiture, si vous la trouvez bien. Et puis, bah, si vous êtes, bon là, je sais que du coup, il n'y aura pas forcément 1 milliard de joueurs, mais si vous avez et la Magma et la Emerald Storm, du coup, bah, comme moi, eh bien, n'hésitez pas à me dire laquelle des deux vous préférez afin de savoir votre avis à ce niveau. Par contre, ouais, elle tourne vraiment. Je sens que ça tourne, mais 1000 fois mieux qu'une Magma. Vraiment, bon, j'exagère un peu en disant 1000 fois mieux, hein, mais c'est. Ça fait vraiment d'imager le truc, mais tu sens quand même. En fait, elle paraît hyper légère face à une Magma. C'est ça qui est dingue. Et autre chose que j'ai pas souligné, je vous ferai écouter bah, juste après la course. C'est vrai que je vous ai pas spécialement fait écouter, mais ils ont quand même. Bon, on va modifier un petit peu la voiture par rapport à la Magma en termes de pourquoi pas, enfin, pas vraiment dire d'esthétique vu que ça se voit pas, mais le son de la voiture n'est pas le même qu'une Divo Divo Magma.
tout simplement. Donc voilà, la Divo Magma ont quasiment le même bruit, à part peut-être que la Divo Magma fait peut-être un peu plus de comment dire, de clapotis sur les décélérations. Mais en fait, cette voiture n'a pas du tout le bruit d'une Divo, elle a le bruit de la Bugatti Deep Blue Edition. Donc très différent comme voiture, une Veyron et une Divo quand même. Enfin très, hein, en tout cas esthétiquement, c'est vrai que mécaniquement pas forcément, mais bon voilà, du coup on n'a pas le même son. Alors bah, je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'avoir fait ça, parce que bah, ça permet justement d'avoir un petit changement sur la caisse plutôt que la Magma, parce que c'est vrai que imagine ceux qui ont, je sais pas, 50 000 bornes avec leur Magma, et puis que bah, du coup ils ont envie de prendre la M-Roll maintenant, s'ils ont exactement le même son, peut-être que ça va être un peu chiant pour eux. Alors que là, le fait d'avoir un son fort sympathique, voilà, bon. Ouh, putain. J'allais dire, on en parle que je mets pas la nitro quasiment de la course et qu'on arrive quand même à se stabiliser autour des 470, ce qui est plutôt pas mal. Hop, je t'avais pas vu toi, pardon. Bon, du coup, le chrono va être un peu faussé. Mais ouais, elle tient bien la vitesse, hein. Elle tient facilement les 470 aussi. Non, franchement, elle est bonne. Elle est pas mal du tout. Bon, du coup, on va pas faire forcément un chrono incroyable sur Big Land, mais il aurait été incroyable sans les deux pets, hein. Franchement, enfin, il aurait été bien, quoi. Ouais, on fait 2,40 avec des petits pets et sans vraiment utiliser la nitro, c'est pas mal. Mais ouais. Juste en mettant un tout petit peu la nitro de temps en temps, elle tient quand même les 470 facilement. Donc ça déjà c'est pas mal, elle tient bien la vitesse. Donc franchement très bon point à ce niveau aussi. Pour l'instant, pas de défaut vraiment à voir. Donc on va voir la VMAX de la petite voiture sur ma petite route à Miami, voir comment elle se comporte. Puis il neige au même moment. Heureusement que c'était après Hollywood, parce que bon, ça m'aurait fait un peu chier. Du coup, j'y pense maintenant, mais je vais vous faire donc écouter le son de la voiture pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc voilà, un petit son. Franchement sympathique, et étonnamment sur le compteur, elle rupte avant d'arriver au rouge, ce qui normalement ne le fait pas sur les autres voitures. Et donc pour la vue intérieure en détail, voilà. Donc c'est vraiment exactement le même, à part qu'ils ont tout passé en vert. Je trouve ça passe bien. Après l'intérieur fait quand même assez flashy, quoi. Enfin assez vert, quoi. Donc c'est après voilà assez spécial. Je préfère peut-être l'intérieur orange que le vert, mais par contre esthétiquement, franchement la voiture. Extérieurement, elle tue. Alors, je sais pas si c'est le fait d'en avoir un peu marre de la magma, quoi, à force, au bout d'un an et demi, mais enfin, même de plus longtemps. Elle est là depuis presque 2 ans maintenant. Mais voilà, je pense que je préfère même peut-être bien la Emerald Storm, qui est quand même sympathique. Donc, allez, c'est parti, test de VMAX. Donc là, on est comme ça. 515, on a vu, c'est pas mal. Hein. Il y avait peut-être moyen de choper 1-2 km/h de plus. 515, c'est pas mal du tout. Donc la Magma le fait, il me semble, 515 aussi. Hein. Donc pour la VMAX, à mon avis, ça doit être plus ou moins la même chose. De toute façon, pour ce qui est du battle, donc voilà, qui arrivera peut-être demain, encore une fois, c'est pas sûr. Mais je vais tout faire pour essayer de vous le sortir demain. Il y aura donc des tests d'accélération, donc 0-440 km/h 0, afin de voir quelle voiture accélère le mieux. Un tour sur circuit, afin de voir la maniabilité de la voiture. Et au niveau de la VMAX, il y a la VMAX sans nitro et la VMAX avec nitro. Enfin, avec aspiration, je veux dire, donc avec nitro tout de suite. Et avec aspiration. Donc on verra là-dessus sur l'aspiration laquelle fait vraiment la meilleure VMAX. Mais en tout cas voilà, excellente voiture, ça y est, c'est sûr. Moi honnêtement, je mise une couille sur le fait qu'elle soit meilleure qu'une Magma. Parce qu'honnêtement, là comme ça au feeling, il y a quand même déjà quelque chose de pas mal. À voir après, mais à mon avis, elle est mieux qu'une Magma. En tout cas, au feeling, comme ça, j'ai l'impression. Après, voilà, ça se confirmera. Donc, demain, normalement, dans le battle. Donc, du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche de notification pour ne louper qu'une des prochaines vidéos. En tout cas, franchement, j'aime beaucoup la voiture, que ce soit rien qu'esthétiquement, quand même. Même si elle aurait été nulle, bon, ça aurait été décevant qu'elle soit nulle. Mais esthétiquement, elle tue déjà. Mais niveau
perf. Oh là là, le bolide que c'est. Donc voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao. Bye.